Bon, salut à tous, c'est parti pour un petit peu d'épandage ce matin. Je m'en vais essayer de. Enfin, je mets un amendement calcaire pour relever un petit peu le pH de certaines parcelles. C'est un petit peu acide et l'entretenir aussi. Donc, on voit ça tout de suite. Donc voilà le produit que l'on épand ce matin, du Granucap 80 duo je sais pas quoi là, enfin ça c'est la référence. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est que c'est un produit utilisable en agriculture biologique, donc il est censé être plus naturel. Et puis il m'apporte 35% d'oxyde de potassium, 15% de MgO et de magnésium en fait. Et c'est issu de craie et dolomie. Ça c'est le caractère technique du truc. Et donc moi ça m'intéresse d'utiliser un produit qui soit utilisable en une agriculture biologique, puisque je suis pas bio, mais quand je peux utiliser des alternatives qui sont utilisées en bio, ça m'intéresse. Le plus souvent possible d'ailleurs, hein, au niveau insecticide, au niveau protection des cultures, tout ça, on a plein de choses maintenant qui sont utilisées. Les cultures biologiques que j'utilise le plus fréquemment possible. Laisser la chimie, la vraie chimie de côté, quoi. Voilà, donc c'est parti, là ça répand. Le but, j'en mets 300 kg hectare. Et donc on roule à 10 km/h en 24 mètres. Et ça va plutôt bien. Ça ne serait pas facile, hein, c'est des granulés, donc ça passe crème. Hein. Il n'y a pas de souci. Une fois lavé, je l'ai laissé sécher, je l'ai un petit peu huilé au pulvérisateur intérieur extérieur pour le protéger et je l'ai remisé. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc., etc., à me laisser un petit comme, j'adore, et puis à bientôt, salut.